Alors... On est passé sur Twitch et donc on est en live. Je sais pas si ça va bien marcher mieux. Dans tous les cas, bon, voilà, on y est. Et j'espère que ça va le faire. Est-ce que ça le fait ou pas? Alors... On est passé sur Twitch et donc on est en live. Je sais pas si ça va bien marcher mieux. Dans tous les cas, bon, voilà, on y est. Et j'espère que ça va le faire. Bon, allez. On va rentrer dans le vif du sujet, on verra bien ce que ça donne. Donc, bonsoir à ceux qui sont sur le live. Donc, vous avez vu, hein, j'ai sorti F1 2013, F1 2010 du placard. Et sur ce F1 2010, j'y ai collé un mode qui est le mode de la saison 2009. Avec donc pour Red Bull, Weber et Vettel. McLaren, nous avions Hamilton et Kovalainen. Chez Ferrari, nous avions Massa et Raikkonen. Chez BMW Sauber, nous avions Kubica et Heidfeld. Chez Williams, Rosberg et Nakajima. Donc chez Renault, l'écurie pour laquelle je vais concourir, donc il y avait Fernando Alonso et Nelson Piquet Jr. Chez Force India, il y avait Sutil et Fisichella. Chez Toro Rosso, nous avions Bourdet et Buemi. Chez Brown, il y avait Button et Barrichello. Chez HRT, nous avions Karun Chandhok et Bruno Senna. Chez Toyota, Trulli et Glock. Et enfin chez Virgin, De La Rosa et Di Grassi. Voilà pour les écuries que nous avions à l'époque. Et donc, eh ben on va aller... commencer notre première course. Donc on va faire une course en 20% et on va faire un week-end court parce que bon, voilà, hein, on va pas non plus passer la vie des rats. Donc j'espère que vous allez bien. Alors baisser la qualité je voudrais bien, seul souci c'est que je suis pas sûr que voyons voir. Je vais le mettre en HD 30 fps. Alors, j'espère que cette fois-ci ça va aller mieux. Là, j'ai baissé la qualité. Donc je sais pas, hein, du tout ce qui peut se passer ce soir, hein. Bizarrement j'ai l'impression que la partie live de la chose a l'air d'être un peu en galère. Mais bon, allez on va aller prendre la piste pour aller faire un tour un petit peu avec la voiture. Allumez le moteur. Alors c'est bizarre, hein, de retrouver cet ancien opus avec toutes les anciennes règles de la Formule 1. Alors, j'espère que... pas savoir combien il y a de viewers en simultané. Alors on a des nouveaux followers hein, ce soir. Merci à eux pour le follow. Alors ce qui est surprenant par rapport au jeu de F1 qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est que dans cet opus, eh bien, on pouvait aller plus ou moins vite dans les stands. Alors le son du jeu est trop fort, pas de problème, je vais régler ça. On va faire ça ici, et voilà. Alors salut à toi, Quentin TV, ben écoute, ravi que la F1 te plaise, j'ai envie de dire, après, eh bien, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube, si tu veux avoir de la F1, parce que là tu vas en avoir. Alors c'est le mode 2009 effectivement, c'est le seul mode d'ailleurs que j'ai trouvé pour F1 2010. Ça bug chez moi, j'ai une connexion en mousse, mais sur tablette ça va mieux. Ouais, et puis en plus, sur Mister Jojo, j'ai baissé la qualité, donc théoriquement on devrait s'en sortir. Alors, par contre, maintenant j'ai le jeu qui lag, décidément. Alors, je vais citer les nouveaux followers hein, qu'on a ce soir. Donc, Mister Jojo, merci pour le follow. Brand du 19, merci pour le follow aussi, et Thomas 81 100, merci pour le follow aussi, ça fait plaisir, je suis super content d'avoir des nouveaux followers. Alors attendez, hop, merci Quentin TV pour le follow, ça fait plaisir. Bon, j'espère que le petit lag va passer. Heureusement que ça bug pas chez tout le monde. Alors c'est la première fois, Rachid Senna, que tu me vois sur F1 2010. Ouais, alors c'est normal, parce qu'en fait F1 2010, à l'époque, j'avais commencé donc mes vidéos, j'étais déjà sur F1 2011. Donc en fait F1 2010, bah, j'ai jamais tourné de vidéo dessus, enfin du moins j'en ai pas vu, tout simplement. Hein. Alors ça m'embête parce que du coup là le jeu rame, c'est assez infernal. Je vais voir en retournant sur le paddock si des fois ça me permet de ne plus avoir cette espèce de phénomène de lag, c'est assez gênant. Ouais, j'ai l'impression que c'est mort, enfin je relance le jeu, hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop. Alors figurez-vous que j'ai le jeu original, mais ce que vous venez d'entendre, c'est qu'effectivement j'ai craqué F1 2010 pour la simple et bonne raison que je ne pouvais pas faire autrement, parce que sous Windows 10, eh bien, il n'y a pas le Game for Windows Live, comme ils appelaient ça. Et du coup, bien obligé de trouver une solution. Et j'ai quand même trouvé finalement une application qui permet d'installer le Game for Windows Live sous Windows 10. Alors ça m'a permis du coup de pouvoir lancer le jeu. Donc finalement je l'avais réglé, je l'avais craqué pour rien. Alors oui, en 2010, il y avait les pneus à bandes et en 2009 aussi, donc les pneus tendres avec les bandes vertes et les pneus durs sans bandes. Tout à fait. Voilà, ça rame plus, ça va beaucoup mieux. Donc en fait, par contre, ce que je ne sais plus, c'est comment ça se passe. Je ne sais plus comment ça se passe qu'est-ce que je voulais dire, passer d'un événement à l'autre. Bon, c'est pas grave, on va s'en débrouiller, hein. Alors du coup, moi ce que je vais faire, là je vais rafraîchir la page. Donc ouais, F1 2015, oui c'est de la merde. Alors pour l'instant on crache bien sûr sur F1 2015, bien évidemment. Parce qu'on est tous forcément déçus un petit peu hein, de ce jeu. Passer d'un événement à l'autre. Bon, c'est pas grave, on va s'en débrouiller, hein. Allez. Donc là je me suis mis en mode fenêtré, j'espère juste que ça va pas ramer. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de passer directement au qualif? Cet écran te donne les temps en direct et te permet également d'avancer plus rapidement dans la séance en cours. Alors prenons les pneus options. Changeons ces pneus sans attendre. Ah tiens, bizarrement ils n'ont pas les pneus. Enlevez les cales, allumez le moteur et poussez la voiture. Ils n'ont pas les pneus avec les. Ah si, voilà, ils mettent les bandes. 15 FPS, F1 2010, 60 FPS. Ouais, bah ouais, non, mais c'est clair, hein, F1 2015, il a un moteur graphique qui est vachement plus évolué. Ah, ça, c'est terrible hein, de pouvoir accélérer dans les stands jusqu'au limiteur, hein, ça c'est classe. Donc on enlève le limiteur bien évidemment en sortant des stands. Alors comme vous l'avez peut-être vu au départ hein, quand j'ai lancé la course, hein, je me suis pas mis dans une difficulté trop enlevée. Parce que tout simplement, je veux pouvoir suivre aussi un minimum ce qui se passe sur le chat et pouvoir vous répondre. Alors en fait au départ j'avais prévu, c'était samedi, hein, j'avais prévu de faire un live, j'avais fait une petite vidéo où j'annonçais que je faisais un live samedi soir, et puis finalement je ne l'ai pas fait, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de live ni de vidéo ni rien samedi soir, hein. Et donc j'avais dans l'idée de faire un live sur, comment ça s'appelle, Rocket League, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu, un croisement entre du football et de la F1, c'est un peu du micro-machine version football. Enfin, je trouve ça assez amusant, assez fun à jouer. Et du coup, voilà, j'avais dans l'idée de vous proposer ça. Et puis bon, ben, il s'avérait que j'ai un ami de longue date, de très longue date, qui était dans ma région, qui habite plus sur Grenoble, qui était de passage. Et du coup, savoir qu'il était là, du coup, on a passé la soirée ensemble et du coup, pas de live. Donc voilà, même si vous en foutez, je vous le dis quand même, je vous raconte ma vie. Bon, c'est un peu emmerdant parce que du coup on m'a là en live sur Twitch, hein, c'est vrai que c'est bien hein, live sur Twitch. J'espère juste que ça va pas trop bugger. Alors n'hésitez pas, hein, tous ceux qui viennent d'arriver sur le live et qui connaissent pas ma chaîne, enfin notre chaîne avec Cédric, à vous abonner. On arrive bientôt aux 2000 abonnés, on est à 1980 abonnés à peu près, hein. Enfin, on était à 1980, maintenant on est à 1979, on en a perdu un en route. Apparemment les gens se lassent, hein. En fait on a constaté ça avec Cédric, c'est que les gens se lassent de plus en plus de ce qu'on propose sur internet. Et c'est vrai que bah, en même temps on comprend que vous soyez exigeant, hein. Chaque youtubeur propose son contenu de plus en plus de qualité et avec des moyens dignes d'un professionnel, hein. Maintenant on a tous des machines qui nous permettent de faire des montages de dingue, et beaucoup de gens maintenant se lancent dans l'aventure YouTube soit sont étudiants et ont du temps, soit sont pas étudiants mais ils consacrent tout leur temps, donc forcément ben, quand on a une autre activité à côté professionnelle, forcément on peut pas s'y consacrer autant que ces gens-là, donc nous on fait ce qu'on peut avec notre matériel et à notre niveau avec Cédric. Et déjà Bah, on est ravis qu'il y ait toujours des fidèles qui nous suivent depuis le début. Je pense bien sûr à Rachid Senna, Fikfik, Mainwan, Medichoumi, tous ces gens pour qui on continue à faire des vidéos et pour qui on fait du contenu qui vous plaît. Et d'ailleurs, bah voilà, c'est un petit clin d'œil pour ces personnes-là que ce soir j'ai déterré mon F1 2010 et que eh bien, je me suis lancé dans cette petite, ce petit live ce soir. Alors Rachid Senna qui me demande quand est-ce que je vais lancer ma carrière avec la McLaren Honda sur F1 2014. Oui, donc comme vous l'avez vu, hein, donc c'est mon F1 2014 que j'ai modé à la sauce 2015. Et donc ma saison sur F1 2014 avec dans la peau de Jenson Button, hein, comme je vous l'avais dit, je l'ai indiqué sur Facebook. Je l'ai indiqué sur Facebook, mais je l'ai peut-être pas indiqué sur Twitter. Mais en tout cas, donc ma carrière sur F1 2014 avec le mode 2015 devrait commencer dans pas longtemps. J'ai déjà tourné les qualifications du premier Grand Prix. Et donc, je serai effectivement dans la peau de Button et non de Fernando Alonso comme je l'avais pensé au début, tout simplement parce que j'avais oublié, complètement oublié, qu'en début de saison, on ne peut pas choisir le pilote pour lequel on veut concourir. Contrairement à F1 2015 où on n'a pas un vrai mode carrière, mais par contre on peut incarner, être dans la peau d'un pilote. Voilà, on rentre dans les stands. Oui, alors P1. Alors par contre, du coup, je me suis un petit peu planté dans le nom parce que je me rappelais plus dans quel sens il fallait y mettre. Et du coup, c'est vrai que marqué, il y a marqué C038 au lieu que ce soit marqué Angel. Bon, bah c'est pas très grave. On s'en accommodera. Ça fait pas très pro, pas très propre, mais en tout cas, ça le mérite d'être indiqué. Donc les essais, on va les passer hein, parce que bon, voilà. Hein. Plus rapide que Fernando dans les 3 secteurs. En même temps, j'ai fait un tour avec les pneus tendres, hein, donc mon temps n'est pas forcément une preuve de performance. J'imagine que les autres pilotes sont pas sortis avec les pneus tendres encore. Donc là, on va doucement laisser passer la séance. Par contre, je vous avoue que je ne sais plus du tout si on peut passer comme on le faisait avec les nouveaux opus. D'une séance à l'autre, ma foi, je sais plus, pas très grave en même temps. Alors n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux le lien du live, hein, bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis moi, en tout cas, c'est avec grand plaisir que j'accueille de nouvelles personnes et que je suis ravi de passer ce moment avec vous. Pendant que le temps file. Alors dites-moi dans le chat hein, si le lien vers le live, quand je suis passé à Twitch, a bien été partagé sur les réseaux sociaux, parce que du coup je sais plus si c'est automatique ou pas. La séance est terminée. Voilà, la séance qui va bientôt se terminer. Et pour l'instant j'ai le 4e temps, ce qui est honorable, avec la modeste Renault de l'époque. Alors, merci pour le follow IndyCar F1 DTM. 4e place aux essais, bon travail. Allez, maintenant on va passer aux qualifications. Et donc on avait des objectifs qui étaient... Rachid Senna s'était marqué... sur Facebook, donc tant mieux. Quentin, pour toi, les quoi? Allez, on allume le moteur et on pousse la voiture sur la piste. Allez, on va aller en piste. Salut à toi, 67 Nicolas, 67 800. Bienvenue sur le live. Ah bien sûr, hein, à l'époque, pas de KERS ni de DRS. C'était vraiment le pilotage qui primait. En plus, souvenez-vous, sur ces opus, sur cet opus, merde, j'ai coupé, sur cet opus, donc au niveau des réglages pendant la course ou lorsqu'on était en piste, les réglages qui nous étaient proposés, c'était soit de faire soit le régime moteur, soit l'inclinaison de l'aileron avant. Souvent les stands nous indiquaient de mettre l'aileron un peu plus d'appui sur l'avant quand il s'agissait de pallier à un problème d'adhérence. Alors pour toi, quels sont les bons de F1 me demande Quentin TV. Alors les bons de F1, les bons, c'est-à-dire les bons pilotes qui pour moi... Ouais, il y avait le F-Duct, Rachid Senna, effectivement. Alors si tu, Quentin, si tu veux parler de bons pilotes, ceux que je trouve être des bons pilotes, c'est difficile de conduire en même temps et vous parler et de suivre ce qui est écrit sur le chat. Les bons pilotes, Lewis Hamilton, bien évidemment, il fait partie de ces bons pilotes, mais en même temps il a la machine qui va bien. N'en démérite pas Nico Rosberg, mais Nico Rosberg je le vois plutôt dans le rôle du second, hein, pas dans le rôle du leader, quoi qu'il fasse, je pense qu'il sera toujours le second de quelqu'un. Un peu comme Massa malheureusement, même si Massa à une époque a été très très proche de du sacre, mais voilà. Après bon, on va pas parler des légendes qui ne sont plus actifs actuellement dans le sport auto, enfin du moins dans la Formule 1. Sinon on n'en a pas fini, mais voilà. Après dans les pilotes, je trouve que malgré tout ce qu'on peut dire sur Romain Grosjean, je trouve que c'est un très bon pilote aussi. Il démérite pas, il garde une ligne de conduite et puis avec une voiture relativement modeste, il arrive quand même à faire de belles choses. Enfin modeste et peu fiable. Donc bien évidemment pour moi ça reste un grand pilote, alors qu'ici je me fais un petit peu embêter par Jenson Button et sa Brown qui m'a bien gêné. On va se mettre à la spi ici, prendre un petit peu du temps. Donc pour l'instant j'ai le meilleur temps, mais je pouvais nettement améliorer. Ça me rappelle l'époque, hein, quand j'ai commencé à jouer au jeu de F1 sur mon PC où je jouais, donc évidemment j'avais pas de volant à l'époque, hein, donc je jouais à la manette, donc je me suis vraiment remis dans les conditions dans lesquelles j'avais débuté en F1 sur le sim racing. Dans le premier secteur j'ai mon chrono qui est moins bon de 3/10, de toute façon je vais rentrer au stand. C'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai réinstallé F1 2010 et que je suis allé en piste et que j'ai eu des noms qui étaient pour moi des noms qui n'existaient plus. Que j'avais pas oublié, mais c'est vrai que c'est étrange de les revoir comme ça, ces noms, tels que Robert Kubica, hein, pourtant qu'on a entendu parler encore récemment en rallye. Des gens comme Bruno Senna qu'on voit ici, Karun Chandhok, Nakajima, qui est aussi là sur cette saison 2009. Bien évidemment Michael Schumacher que l'on voit en mode 2010 sur la Mercedes de l'époque, hein, aux côtés de Nico Rosberg. Alors voyons voir. Massa P1 pour 2008. Alors Seb Fabrice, bienvenue à toi sur le live. Grosjean, Vettel et Raikkonen. Hamilton, ça c'était top, Seb Fabrice, mais tout à fait, hein, c'est des très bons pilotes. 67 Nicolas, as-tu vu que j'ai lancé ma chaîne? Il me semble que oui. Tu m'avais envoyé un lien pour que j'aille voir à plusieurs reprises, il me semble. Alors, question récurrente, pourquoi Blackdeer ne fait plus de vidéos? Eh bien, écoute, Quentin, j'ai envie de te dire, Blackdeer privilégie ses études aux vidéos, et ça, c'est tout à fait normal, c'est très logique. C'est vrai qu'il manque à beaucoup de monde, puisque ben, à l'époque, voilà, quand même Maxou le pilote en avait parlé, lorsqu'on avait fait le live ensemble, et bien à l'époque, Blackdeer avait inspiré beaucoup de monde en apportant des vidéos de live commentary de F1 sur YouTube. Et bien moi après je suis arrivé aussi et du coup bah, si vous voulez après j'ai le sentiment que à cette époque là on était connus Blackdeer et moi comme les deux sim racers de F1 qui existaient et qui faisaient des vidéos sur, sur YouTube sur de la F1. Et puis après, ben, petit à petit les gens ont fini par s'y mettre tous petit à petit hein. Puis en plus bon voilà, faut dire que les connexions internet sont devenues de plus en plus costauds, ce qui a fait que bah, je pense que du coup les gens se sont mis de plus en plus à faire des vidéos, sachant que ils y ont trouvé forcément une mine d'or. Et donc voilà, tous ces phénomènes mis bout à bout, ça fait que et ben de plus en plus de personnes se sont mis à YouTube et à faire du sim racing, et du coup ben, avec Blackdeer, avec le travail qu'on fournissait, on n'était plus vraiment à la mode, on va dire entre guillemets. Des Blackdeer, bon bah ben, lui avec ses études a abandonné le projet puisque ben voilà, c'est les études c'est bien plus important, ça c'est certain, quand surtout qu'on n'a pas envie de faire une carrière forcément via YouTube. Et puis moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et maintenant ça commence à faire 2-3 ans hein, qu'on fait de la vidéo, et on arrive péniblement aux 2000 abonnés, alors j'espère qu'on va finir par avancer un petit peu plus encore. Salut à toi Shooters, merci d'être passé sur le live mon ami. Alors Shooters, bon, c'est ton premier Grand Prix. Mon jeune padawan, je suis très content qu'il soit là parmi nous ce soir. Allez, premier départ. Penses-tu passer aux 24 heures du Mans en 2016 sur Projet Car, j'imagine? C'est pas exclu, il y a des chances, mais force est de constater que on a vu, ce qui concerne le nombre de vues par vidéo hein, qu'on avait, enfin qu'on a avec Cédric sur la chaîne, lorsqu'on fait pas de la F1, et ben il y a nettement moins de vues sur la chaîne, sur les vidéos, donc du coup, ben, c'est pas encourageant pour essayer de faire autre chose. Donc dès qu'on se lance sur du projet de cars, du WRC ou quoi que ce soit, bah, tout de suite l'audience est moins bonne, et bah, c'est pour ça qu'on hésite un petit peu à faire un peu autre chose que de la F1 hein, bien sûr. Mais pour ce qui est de ta question, hein, revenons au but de ta question, c'est à propos des 24 heures du Mans, est-ce que je vais en faire? Ça m'intéresserait, je pense que je vais tenter. Mais bien évidemment avec une échelle réduite hein, parce que je pourrais pas faire une course de 24 heures, hein, obligation familiale oblige bien sûr, vous comprendrez. Ah, alors qu'ici je fais l'inter à Weber. Oui c'est vrai que l'IA à l'époque freinait 3 km avant, et donc on pouvait très facilement attaquer dans les virages, c'était assez marrant. Ici petite attaque sur Vettel à l'intérieur du virage. Barrichello, on s'en souvient de Barrichello. Rubens, Rubinho, pour comme l'appelait Jean-Louis Moncé sur TF1. C'était marrant. Oui, l'époque déjà, Vettel avec sa Red Bull qui commençait déjà à faire parler de lui. Je sais pas ce qu'il a fait là, mais gros ralentissement dans la courbe là. Le moteur est à la température optimale, les performances de la voiture devraient être maximales. Et donc on a réussi à prendre l'avantage sur Sébastien Vettel, alors que Ruben Barrichello est en train de prendre Prendre le large devant avec sa Brown. On se rappelle qu'à cette époque, quand les Browns sont arrivées, elles faisaient des miracles sur les premières courses. Elles étaient dominantes face à la concurrence. Je me rappelle de quelques bonnes performances de Jenson Button à cette époque-là. Ah, IRL, Seb Fabrice, bah, déjà si j'étais dans le sport auto à la base IRL, ouais, ça serait... Ça m'intéresserait, mais... Après, si ta question c'est est-ce que je vais aller voir une course des 24 heures du Mans et puis poster des trucs sur ma page Facebook, j'avoue que j'en sais rien, ça peut être une expérience. Alors qu'on est en train de revenir un petit peu sur Rubens là. Qu'est-ce que je pense du championnat de Formule E? Je trouve ça intéressant. Alors c'est vrai que bon voilà, on va reparler des problèmes de bruit de moteur et des sensations quand on regarde du sport auto. C'est vrai que quand on entend ce bruit là, et quand on l'entend IRL en tant que spectateur, ça fout des frissons, ça prend aux tripes. Et c'est là qu'on sent toute la puissance de la Formule 1. Depuis la nouvelle Formule 1, on est tous déçus des bruits des nouveaux des V6. Et du coup, on regrette cette époque des V12 et des V8. Mais la Formule E, pour moi, c'est une autre catégorie, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est un nouveau championnat, c'est la formule de l'avenir, c'est écolo, c'est ce que vous voudrez. Je trouve malgré tout, malgré le fait que ça soit assez particulier, je suis le premier à dire que ce genre de sport auto, ça doit faire du bruit, ça doit arracher les oreilles, ça doit être impressionnant. Et que là, quand on entend le bruit des Formules E, bon bah voilà, hein, force est de constater qu'on n'entend pas grand chose. Au même titre que quand j'étais allé voir le trophée Andros, c'est que eh bien, c'était les premières années où les voitures, par exemple les Skoda hein, de Pernod, et je sais plus qui est-ce qui était avec lui. Je veux pas dire de conneries, mais bref, était en électrique, c'était vraiment super étrange, donc voilà. Pour moi, c'est un nouveau championnat, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai eu l'occasion de suivre quelques courses. Alors c'est un peu le foutoir, hein, parce que c'est vrai qu'on n'y comprend pas forcément tout avec les changements de voitures en milieu de course. Mais bon, après, c'est aussi peut-être parce que je suis pas assez assidu sur le sujet. Hein. Et je pense que si on prend le temps de regarder attentivement toutes les courses et qu'on suive les essais et les qualifs aussi bien qu'on le fait pour de la F1, ça peut être intéressant. Est-ce qu'un Français peut remporter le titre cette année en Formule E? À vrai dire, Seb Fabrice, je vais pas te dire de conneries dans la mesure où j'ai pas suivi le championnat, donc du coup je sais pas où en est le classement et je sais pas non plus où ils en sont au niveau des courses. Mais Vergne, du fait de son expérience en F1 et Prost, du fait de son expérience en Formule E, peuvent tout à fait disputer un titre. Ça serait beau d'avoir un Français qui puisse détrôner Sébastien Buemi. Bon, va falloir se concentrer un petit peu parce que là on a deux monoplaces qui sont passés, à Raikkonen et Timo Glock. Allez, on va s'imaginer, on va ouais, on va soupçonner le fait qu'ils ne soient pas encore rentrés au stand. et que du coup on va pouvoir récupérer la tête à l'issue de ce tour quand les deux pilotes qui sont devant vont rentrer au stand pour changer leurs pneus. Vous avez vu qui est derrière moi, c'est mon coéquipier Fernando Alonso. Alors lui aussi je pense qu'il va s'arrêter parce que très logiquement ça devrait être Barrichello qui devrait être derrière, puisque à la suite de mon arrêt au stand je suis pas ressorti derrière lui. Voilà, comme prévu, les deux pilotes qui étaient devant rentrent au stand. Et je récupère donc la tête. Schumacher vient de prendre la voie des stands. Non, c'est Fabrice pour tout dire, hein, sur la Formule E, je pense qu'il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus sur le sujet et je regarde un petit peu plus comment ça se goupille pour pouvoir te donner vraiment une réponse franche. Mais c'est vrai que bah, on rêve tous de revoir un Français remporter un titre, que ce soit en Formule 1 ou en Formule E. D'ailleurs, pour vous, Grosjean l'année prochaine chez As, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une connerie ou est-ce qu'il a ses... Est-ce que Haas va nous proposer une écurie qui sera vraiment une tuerie et qui viendra entacher la surdomination des Mercedes, qui de toute façon, faut bien se dire une chose, c'est que ça durera pas à vitam aeternam, hein, cette domination. Regardez l'époque Red Bull, et ben, autant elle a été surdominante pendant 4 ou 5 ans. 4 ans, pour pas dire trop de bêtises, autant du jour au lendemain, d'une saison sur l'autre, on a tout de suite vu le déclin des Red Bull qui étaient moins performantes. De toute façon, quand la réforme de la nouvelle F1 est arrivée, hein, et malgré le talent de Vettel et sa façon de mettre à point les voitures, ça n'a pas suffi pour arriver à remettre Red Bull sur le rail. Au contraire, bon, bah, il a bien fait d'aller prendre la tangente et est allé rejoindre l'équipe au cheval cabré, et je pense qu'il a très bien fait. Donc on a relégué Barrichello à 10 secondes. Ça fait vraiment du bien d'entendre ce moteur criard, là, ça nous rappelle vraiment des souvenirs. Alors c'est dommage, j'aurais voulu trouver un mode 2006 ou antérieur, enfin de l'époque de la grande époque de Renault avec Alonso, hein. Avec la Renault de l'écurie dirigée par Flavio Briatore à l'époque. Mais j'en ai pas trouvé pour F1 2010. Alors si vous en connaissez pour F1 2010 ou F1 2011 ou F1 2012, n'hésitez pas à m'envoyer le lien sur mon mail, hein, angel038.gaming@gmail.com. Ça m'intéresse fortement de tester un de ces modes là et de vous le présenter sur une vidéo par exemple, hein. Parce que des modes pour F1 2000, enfin des modes F1 2008 justement avec ces Renault là existent, mais pour le jeu GTR 2, hein, pourquoi pas, hein, mais... J'aurais préféré pouvoir implémenter ça sur un des jeux de F1 de Codemaster, ça aurait été rigolo. Parce que le jeu est construit pour ça. Ah, c'est vrai que la TH, quand on regarde, il est vachement succinct par rapport aux nouveaux opus, hein. Autant sur l'état de la voiture que sur les informations. Donc on a forcément pas de KERS, pas de DRS. On a juste la jauge d'essence, le compte tour, la vitesse. Quand je vous disais que les Brown à l'époque sur ce Grand Prix là, elles avaient fait des miracles. Regardez qui est troisième, c'est Jenson Button. D'ailleurs, bizarrement, Barrichello s'est arrêté au stand. Alors est-ce qu'il a abandonné? Non, apparemment pas, parce qu'il y a toujours 24 voitures. Un deuxième arrêt pour le pilote brésilien, c'est assez étrange aussi. Alors il va y avoir un Grand Prix à Paris, ouais, ça c'est dans les tuyaux, mais pour quand, on verra bien. Hein. Un très bon choix pour Romain Grosjean, une porte pour Ferrari, et surtout fini les problèmes financiers, ça c'est clair, parce que quand on s'appelle Romain Grosjean, qu'on pilote pour une écurie comme Lotus, on s'attend qu'il y ait un minimum de retour, parce que bon, Lotus c'est pas non plus une marque... qui est forcément très à plaindre, ils font de très jolies voitures de luxe et on peut s'imaginer quand même que ils aient des moyens financiers, mais très vraisemblablement c'est pas des moyens financiers qu'ils mettent en place pour la F1 et c'est pas leur priorité, donc du coup merci Rachid Senna pour m'avoir mis un lien sur la page Facebook. J'irai voir de ce pas. Alors si tu peux me dire... merde, oulala, attention, je regarde le chat en même temps, là. Du coup je vais un petit peu tondre la pelouse. Il y a un mode 2006 pour F1 2013, ça c'est cool. Il y a un mode 2008 pour F1 2014. Alors F1 2014, un mode 2008 pour F1 2008 pour F1 2014, ce qui me gêne dans ça, c'est qu'on a quand même les règles qui sont complètement différentes du KERS et du DRS, puisqu'il n'y a plus de KERS. Donc ça me paraît, enfin je sais pas, bon à essayer, hein, je pourrais vous faire une présentation de ces deux modes en vidéo si ça vous intéresse. J'ai pas d'a priori. J'espère que pour vous le live marche toujours bien. Moi mon retour il est figé, hein, donc je sais même pas si ça filme bien. Barrichello est toujours dans la course, hein, il est revenu à la 4ème place, derrière Timo Glock qui est 3ème, pardon. Je sens que ça va, Barrichello il va remonter et qui va venir sur la 3ème marche du podium, et donc on va avoir un podium Renault et Brown, puisqu'on va rentrer dans l'avant-dernier tour maintenant. En plus Rachid Senna, si j'installe le mode 2008 sur F1 2014, c'est pas forcément le bon plan, parce que vu que je viens déjà de modder F1 2014 pour ma saison sur ce jeu, pour avoir la saison 2015 sur F1 2014, il faudra encore que je réinstalle un mode et je m'amuse à changer toutes les 5 minutes, sans compter la sauvegarde qui va sauter à chaque fois que je fais ces modifs. Je suis pas forcément sûr que ça soit une bonne idée. Mais merci en tout cas pour les liens, à l'occasion je les testerai, je vous ferai une présentation des modes avec grand plaisir. C'est vrai qu'il était vachement plus arcade cet opus, parce que on peut vraiment prendre des virages Là, je suis un peu déconcentré parce que je vois qu'il se passe des choses sur mon autre écran alors que j'ai rien demandé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la voiture? Je sais pas trop. J'arrive pas à avoir des infos de la voiture. J'ai des grosses pertes d'adhérence d'un coup là. J'ai un peu bouffé mon capital pneu en même temps, ça se trouve. Et voilà, première victoire. Fantastique, superbe victoire, vraiment. Bravo, bravo. On va regarder vite fait le replay. Retour vers le futur avec F1 2010, ouais, effectivement. Salut à toi Forza Ferrari, bienvenue sur le live. Alors qu'on m'annonce qu'il y a 2 viewers actuellement sur le live. Ça me paraît bizarre. Il y a vraiment 2 viewers là qui regardent? Alors qu'on a vu qu'il y avait une petite touchette avec la Ferrari hein, sur ma voiture. Une Ferrari qui a laissé des plumes. Celle de peut-être de Kimi. D'ailleurs. De Felipe Massa. Dites-moi combien vous voyez de viewers actuellement hein, sur le live, parce que moi, pour ma part, c'est pas que ce soit inquiétant. Hein, Après, chacun a le droit d'aller regarder ailleurs à midi à sa porte, mais... Ah ouais, donc il y a bien 2 viewers, donc on est bien 2, enfin il y a bien 2 personnes qui regardent le live, bon bah ma foi. Écran noir? Non, non, pas d'écran noir. Hein. Là pour l'instant je diffuse le replay de la course, mais bon je vais pas le diffuser en entier. Tu es en tête du championnat du monde des pilotes. Continue comme ça et le titre est à toi. Ah oui, d'un seul coup on est passé à 7, mais disons c'est que ce Twitch c'est phénoménal hein, comme produit. Enfin bref, faisons pas du mauvais esprit. Mais c'est vrai que Twitch c'est la plateforme pour le live, hein, ça fait toujours plaisir aux gens, ils aiment bien hein, Twitch, ça fait plus classe. C'est vrai que YouTube c'est bien moins répandu, mais moi ce qui m'a plaisé chez YouTube c'était que bah, les gens pouvaient régler la qualité, si ça ramait bah, ils pouvaient du coup... Ah oui, les conférences de presse à la fin de la course, putain, j'avais oublié ça. Bon. Les combinaisons des pilotes n'y sont pas, hein. Vous m'excuserez, mais... Félicitations. Ça doit être un moment très spécial pour vous aujourd'hui. Ça c'était bien, ça ces conférences de presse où il fallait faire gaffe à ce qu'on disait. Faites-nous part de vos sentiments sur ce résultat. On doit bien se sentir après avoir décroché la victoire dans sa première saison de Formule 1. Dites-nous donc ce que vous ressentez en ce moment. Beaucoup d'émotions? Gagner un Grand Prix dès votre première saison, ça doit renforcer votre position dans l'équipe. Pensez-vous que vos efforts vont bientôt faire reconnaître votre juste valeur? Je bois un petit coup, hein, vous m'excuserez. C'est vrai que c'était vachement mieux, hein, ces histoires de conférences de presse et tout, je trouve ça trop génial, quoi. La direction la Malaisie. Ah, mais ça fait chier qu'on puisse pas passer directement d'un truc à l'autre. Parler de stratégie et de pneumatique. Tu trouveras ici des informations sur tes pneus, à savoir combien de jeux de pneus il te reste, dans quel état ils sont. Tu peux aussi changer rapidement de pneus et définir ta stratégie de course. J'en ai rien à cirer. Tu peux toujours choisir la stratégie pour toi. Jette un coup d'œil et fais-moi signe. Fais donc ça. Allez, salut, gros bisous. T'as fini, oui. J'aurais bien aimé passer directement. C'est relou. L'écran recherche et développement fournit quant à lui des informations sur les diverses stratégies d'amélioration prises par l'équipe. Ainsi que les détails sur chaque amélioration. J'aurais bien aimé passer directement d'un truc à l'autre. C'était bien ça. Te permet de parfaire les réglages de ta voiture. Cela dit, tu peux aussi venir me voir et je m'occuperai de tout ça en fonction de tes besoins. J'ai pas envie de faire les essais en fait, là, ça me saoule. Allez, on passe en accéléré. Ah ouais, c'est chiant là. De l'autre côté? De l'autre côté quoi? Alors Rachid Senna, si t'as une piste, ça m'intéresse. Hein. Parce que là, faire passer le temps en accéléré, ça va bien, mais... Il y a un truc de l'autre côté. Ah ouais, merci. Bah écoute, Forza Ferrari, je suis désolé, hein, mais bon, voilà, c'est Twitch, hein, comme d'habitude. Donc, merci d'être passé, et puis à la prochaine. Et sur F1 2010, c'était quand même vachement plus simple à conduire que ne le sont... Bah les successeurs. Hein. Ah par contre un truc que j'ai remarqué quand j'ai remis en route F1 2010 hier. En fait quand on a suivi tous les Codemasters depuis F1 2010 et qu'on arrive donc au 2015 où ça a été une grosse révolution, puis qu'on retourne sur le 2010, finalement on n'est pas tellement dépaysé, on a même l'impression de... On se dit, bah tiens, finalement, ce jeu, il est quand même de bonne qualité. Et c'est là qu'on se rend compte que, enfin graphiquement, hein, j'entends, hein, que bah, en 4 ans, le jeu n'a pas évolué. Alors bien sûr, les nouvelles règles se sont appliquées, les nouvelles livrées, les nouveaux pilotes, enfin voilà, normal, il s'est mis à jour le jeu. Mais... graphiquement, bah voilà, mais c'est pas la claque. c'est pas la claque visuelle à chaque fois qu'on a un nouvel opus, hein, c'est relativement dommage. Par contre, ce que je constate, c'est que par exemple au niveau des pneus, eh bien, le gravier sur les pneus est un peu mieux fait. Ces petites particules de gravier qui se mettent dans les gommes est mieux fait, je trouve, que sur les opus suivants. Bon, après, je chipote. Hein. Bon boulot, on est actuellement en pole position. Oui, bah, on n'a pas trop de difficultés pour l'instant en même temps. Personne qui a mis un chrono. Je me rappelle à l'époque quand je tournais des vidéos sur sur F1 2011, puisque sur 2010 j'en avais pas fait. Je mettais que les replays des courses, je parlais pas encore, je faisais pas de commentaires. C'était rigolo. Je suis retombé hein, sur mon ancienne chaîne YouTube où il y a encore les vidéos de cette époque-là, parce que j'avais pas tout transféré vers la nouvelle chaîne. Et c'est marrant de revoir ces replays avec le F1 2011, avec le mode de la saison 2012. Adrien Sutil sur sa Force India qui bien sûr ne s'écarte pas. Mes toutes premières vidéos sur internet c'était des vidéos de Minecraft quand même, hein, comme quoi. Quand on passe de Minecraft à de la F1. Quand même des choses qui se sont passées entre temps. Ouais, je voulais revenir aussi sur une information que j'avais eue cette semaine. Je sais pas si vous avez vu et si vous êtes abonné à la page Facebook de Maxwell Pilote. Il a subi ces derniers temps des rafales de pouces rouges sur un ensemble de ses vidéos. Fernando est 10e pour le moment. Et je trouve ça complètement dégueulasse et complètement lâche hein, de saccager le travail d'une personne qui se donne du mal. Et bah, c'est vrai que j'ai l'impression que YouTube c'est devenu aussi un petit peu comme ça, où il y a une espèce de petite panique guéguerre, hein, mais où il n'y a plus de cadeaux, où les gens... ne respecte plus rien et puis trouve marrant de justement de striker en mettant des pouces rouges sur une vidéo pour un mec qui a une ascension fulgurante comme là Maxou et du coup ben, en ayant ces pouces rouges ce qui se passe eh ben, c'est que ça dans les stats YouTube ça montre que la personne a fait une vidéo de mauvaise qualité. Et donc je trouve ça complètement dommage, hein, ce genre d'attitude, complètement immature. Excellent, c'est un bien meilleur résultat que ce qu'on espérait. Et c'est vrai que du coup, ben voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en parallèle, je dirais pas du jour au lendemain, mais presque, on a remarqué avec Cédric que ben, nos vidéos ont vu leur nombre de vues par vidéo diminuer d'une façon assez hallucinante et assez inquiétante. Donc du coup, on se demande ce qui se passe un petit peu sur YouTube, mais en tout cas, ça devient vraiment très difficile. Fantastique, te voilà en pôle, le patron est fou de joie. Bon, pole position, mais ça serait bien que on augmentera la difficulté si on continue à faire des vidéos là-dessus. Allumez le moteur. Donc on part en pôle, derrière nous on aura Button avec sa Brown et puis les deux Red Bull. On retrouve à peu près la grille qu'on avait en Australie. Comme t'as marqué des points la dernière fois, l'écurie veut que tu confirmes aujourd'hui. Ah ouais. La meute qui est derrière. Ah, touchette avec une voiture là à l'intérieur, je sais pas trop qui est-ce que j'ai tapé. Mais ça a tapé fort en tout cas, je me demande si c'est pas la Red Bull de Weber. Parce que ça a tapé fort et j'ai vu un aileron, un morceau d'aileron foutre le camp. J'espère qu'il a pas endommagé ma voiture. En même temps à cette époque là, les dégâts sur la voiture c'était pas trop ça. Hein. Et ouais, c'est tiré qui freine 15 km avant, j'avais oublié encore. Button qui protège la trajectoire intérieure. Cette fois-ci, c'est moi qui suis idéalement placé à l'intérieur et qui passe. Le cap Button, c'est fait. Maintenant, c'est Vettel hein, qui est en train de... tailler le beefsteak devant. Vettel, hein, sa petite Red Bull hein, qui avance hein, malgré tout. Parce que Vettel a quasiment une seconde d'avance sur moi et derrière Button a déjà 2 secondes 5 de retard. Je savais que Vettel il était sur ma droite. J'ai pas voulu. Regardez comment on revient dans les courbes, c'est assez hallucinant. C'est que cette IA à l'époque elle était vraiment bizarre. Hein. Je suis un petit peu loupé dans l'escargot là. Du coup Vettel en a profité pour reprendre l'avantage alors que j'étais passé. Je me suis tué un moment pour vous laisser profiter du fameux son du moteur. Tu vas perdre un peu d'adhérence à l'avant. Ouais, il résiste hein, le Vettel. Vas-y, c'est une cible facile pour toi. Voilà, l'aspiration ici. Toute l'équipe est prête à t'accueillir. Rentre au stand dans ce tour. Ah, j'ai freiné trop tard. Vettel qui se met carrément, quasiment à l'arrêt dans cette courbe. Et là, je me loupe encore à l'épingle. Un petit peu de pelouse, merci, ça fait du bien. Et du coup, Button est revenu dans les échappements de Vettel. Vettel qui me passe à travers, alors ça c'est pas mal ça. Alors Quentin TV, est-ce que attend F1 2016? Est-ce que il va sortir à temps F1 2016? Bon, j'en sais rien, peut-être. Et Alex, je suis retenu dans les stands. Ah, la réaccélération sur le vivoire. Oh la mauvaise erreur là. Bon, du coup on va pouvoir apprécier les skins des voitures du fond de grille. Les Toyota, ouais, je me rappelle de ça. Cette écurie. Dedans on a Massa avec la Ferrari. Tu montes à la 12e place. Robert Kubica devant. Un petit coup de DRS. Ah. Il faut doubler, il faut doubler. Les Red Bull sont les deux voitures devant toi. Bon, on va récupérer quelques places encore. Kovalainen est à la première place. Kovalainen est à la première place. Elle est bonne celle-là. La McLaren de Kovalainen. Bon, le cas Vettel, ça c'est fait. Dans l'escargot à l'intérieur, il a rien vu venir. Weber maintenant. Voilà, ça c'est marrant, ça c'est le coup de l'IA qui se met à ralentir à fond dans les courbes comme ça, du coup on y passe vraiment sans trop forcer. Faut que je trouve un mode pour l'IA parce que c'est vrai qu'elle est un peu pourrie. Bien, 2 places de mieux que prévu, beau travail. Bon, ça va rentrer au stand tout ça qui est devant là. Button devant qui prend l'avantage sur Chandhok. C'est tous des pilotes qui ne sont pas encore arrêtés au stand. Fernando est dans les stands. Secteur, le drapeau jaune est de sortie, défense de doublé. Et voilà, magnifique Rosberg hein, qui s'est mis en travers. Et du coup, ça a permis à Button de repasser. Hein, parce que heureusement, on n'a pas fait de dégâts sur la voiture, mais il a quand même fallu éviter la voiture de Rosberg. Mais bon. Voilà le petit Tania avec sa charté, là, il va aller rentrer au stand tranquillement, hein, il va pas nous embêter. Ça rentre au stand encore. Les derniers pilotes qui sont pas encore rentrés devraient. Les 2 voitures suivantes sont les Mercedes. 2 Mercedes juste devant toi. Ouais, donc ceux qui n'étaient pas encore rentrés ont dû rentrer. 2 Mercedes devant. C'est goût. J'ai les 2 Brown devant. Allez, il reste 3 tours. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher les 2 Brown? Allez, il est à toi, double-le. Une des Mercedes est juste devant toi. C'est toujours une Brown, hein, c'est pas une Mercedes. Et il reste Barrichello à aller chercher. Et on va refaire le même podium qu'en Australie. Il faut se concentrer. Hein. J'ai freiné trop tard. tranquille sur les dépassements. Si tu touches trop fort, c'est la pénalité. Ouais, j'ai à peine frôlé son aileron arrière, enfin, ses roues arrière avec mon aileron. Ils sont tous dans la vue. Allez, avant-dernier tour. Demain, non pas de live demain normalement, mais demain on est quoi? On est mercredi, donc normalement demain vous avez la suite de mes vidéos sur le WRC5, sur la chaîne, donc Quentin TV. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vivement à y aller. Et puis vendredi vous aurez donc du projet de Cars avec encore un épisode d'endurance. Et je viens de passer Barrichello et on va rentrer dans le dernier tour. Ben plus Quentin TV, merci d'être passé, d'avoir passé cette soirée avec nous. Donc là de toute façon moi, le live va se terminer à la fin de cette course. Encore quelques mètres avant d'aller franchir la ligne de départ arrivée. Et encore une deuxième victoire avec la Renault. Une course qui s'est passée sans encombre. Enfin, quelques petites fausses. T'as dominé tout le week-end entre la pole position et la victoire en course. Fantastique. Quelques petites fausses notes au niveau du pilotage, mais bon. Voilà, vous m'en excuserez. J'espère que ce petit live vous aura plu ce soir. Cette petite retour en arrière dans le temps. Et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, hein, dans la vidéo, puisque je mettrai le replay sur YouTube bien évidemment, si vous voulez voir plus de vidéos sur cet opus. Alors effectivement je m'étais bien encadré Weber, hein, je l'avais bien bousculé. Et puis on verra ce qu'on peut faire, dans la mesure où je vais avoir aussi la fin 2014 sur ma saison 2015 qui va commencer, donc du boulot en perspective. Mais bon, voilà. Hein. Après quelques présentations de mode, bien évidemment. Donc on verra du contenu à venir sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.